Je sais pas. Vous m'entendez Non Non C'est allumé Ça marche C'est mieux C'est pareil C'est bon Entrée, entrée. Oh là. C'est pas facile à régler. Je suis devant. Alors bonsoir et bienvenue pour cette API Hour numéro 42 du nom, qui a été euh, assez long à venir, mais qui finalement euh, se réalise aujourd'hui. Euh... Ah oui, donc traditionnellement, la, la petite question d'intro, est-ce euh, qu'il y a des personnes parmi vous qui viennent pour la première fois ce soir oh, Pas beaucoup. Ah, des menteurs. En tant que... Ah oui, c'est vrai. Euh, alors, pour vous présenter l'association Clermont-Tech, l'association euh, a un manifeste qui euh, définit ses valeurs. Euh, donc ces valeurs sont le partage. Ce soir, on est là pour euh, échanger ensemble, partager nos, nos, nos différentes expériences, euh, les différentes choses qu'on a l'occasion de faire dans, notre, dans le cadre pro, euh, et donc pour échanger sur ces sujets d'informatique ensemble. Une autre de nos valeurs importantes, c'est l'ouverture. L'association euh, n'est pas centrée sur une technologie particulière, mais les technologies agnostiques. On, on peut parler euh, de tout ce qui, qui est en relation euh, plus ou moins avec euh, l'informatique, au sens large. Euh, L'association est indépendante. On a des euh, sponsors, mais euh, et on a des euh, des, oui, des, des aides de la, de la mairie, entre autres comme ce soir, mais on ne se fera jamais euh, dicter notre euh, ligne par euh, un élément extérieur au bureau de l'association. Et enfin, l'association prône le respect, le respect donc entre nous et vis-à-vis -vis des speakers. Euh, on peut, les speakers font l'effort de venir nous parler de sujets. Ils font l'effort de nous présenter des choses et on les remercie. Euh, C'est important de respecter ce qu'ils vont nous dire. Ça peut arriver qu'une prestation soit peut-être moins aboutie ou moins bien que d'autres. Euh, C'est important aussi de, de respecter ça. On a, en plus, on a. Claremontex se fait fort de, de permettre à des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de parler devant une, une audience, de tenir de conférences, de se lancer. Euh, donc c'est important que le public euh, soit là pour accompagner aussi ces gens-là. Alors, l'API Hour, qu'est-ce que c'est Donc c'est euh, trois talks pour ce soir. Euh, ça peut être quatre. Donc trois talks ce soir Donc un de 30 minutes, puis deux de 15 minutes. Euh, pour 1h30 environ max, en comptant mon intro trop longue. Euh, C'est 50 personnes environ. Si nous, on limite le nombre de places pour avoir l'occasion par la suite de pouvoir mieux discuter et échanger ensemble. Euh, on essaie d'avoir de, des lieux et des jours variables, des, lieux dans la semaine, euh, des jours dans la semaine pardon, et des lieux variables pour permettre à chacun d'avoir l'occasion de venir. Euh, on met les vidéos en ligne, euh, on essaie d'être pas trop lent. Euh, vous pourrez retrouver rapidement le, le flux sur YouTube de l'intégralité de la captation. Avant d'avoir le, les découpages sur le site. Donc, ça, c'est sur, le, sur notre, notre, channel YouTube, notre chaîne YouTube. Euh, on essaie de faire ça toutes les 6 à 8 semaines quand on déborde pas. Et donc, euh, après euh, les conférences, nous vous invitons euh, à l'api la Hour donc, de partager un verre euh, et euh, grignoter quelque chose pour discuter à la fin de la, de la soirée. Euh, chaque soir il y a un ambassadeur donc c'est un membre de l'association euh... c'est Richard un membre de l'association qui, euh, qui représente euh, l'association auprès de vous euh, donc pendant qu'on range il est, euh, cette personne est dispo pour, pour répondre à vos questions quelles euh, qu'elles qu soient à propos de l'association donc ce soir c'est Richard, tu viens de te lever pour que les gens t'identifient Voilà, un t-shirt Clermont Tech <laughs> il va falloir, falloir qu'on règle ça donc c'est lui qui sera là pour, pour répondre à vos questions euh, donc les API hours n'existent pas si nous n'avons pas de speaker. Euh, et les speakers, ben, c'est vous. Euh, donc euh, si vous avez une idée de talk, euh, si vous avez. Euh euh, même si vous n'avez pas d'idée et que vous avez envie de parler, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, on est là pour vous accompagner, euh, même si c'est pour la première fois, même si vous n'êtes pas sûr. N'hésitez pas donc à nous, à nous écrire euh, par email. Il y a une wish list sur le site internet et euh, si vous voulez être accompagné, d'anciens speakers euh, se proposent d'éventuellement vous mentorer euh, sur le sujet. Euh, Sans dispo aussi les Clermont Tech Groups, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'association qui euh, met à disposition ses moyens, donc ça peut être euh, trouver une salle, euh, du matériel euh, de présentation, etc., euh, pour aider euh, des personnes qui souhaiteraient montrer, monter un, un user group euh, avec notre aide et qui, qui n'ont pas forcément envie de créer tout de suite une association, par exemple. Donc si vous avez euh, une idée sur un sujet que, quelconque aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour vous aider. On, a, on vous propose un espace de coworking euh, avec le bivouac. Donc on, a, on a accès à des remises si vous êtes intéressé. N'hésitez pas aussi il euh, y a des infos sur le site internet. On remercie chaleureusement nos sponsors qui nous permettent euh, chaque, euh, chaque happy hour de vous proposer un buffet, entre autres, euh, et donc de nous soutenir sur, euh, depuis longtemps. Euh, ce soir, cette soirée est spécialement euh, sponsorisée par Datadog. Euh, dont le représentant euh, Julien Mueton euh, n'est pas encore là parce qu'il est sur la route euh, mais il fera peut-être un petit speech à la fin, du, euh, à la fin de l'événement s'il est dispo et donc euh, vous retrouvez des goodies euh, quand on je sais pas comment on le distribuer on verra avec lui euh, deux dispo toujours il y a le planète où on essaie de référencer euh, les, dis, les différents event tech qui sont sur Clermont-Ferrand et les alentours euh, s'il y a des choses euh, qui, si vous le semble incomplet, s'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas aussi, c'est ouvert au pull request sur GitHub pour le mettre à jour. On propose aussi un platidex qui permet de, ben, de décliner le logo de l'association. Euh, comme vous le souhaitez, en général, on en tire des stickers. On en a un nouveau ce soir, spécial 42. Euh, on remercie ce soir la mairie de Clermont-Ferrand de nous prêter leur salle. Merci beaucoup. Ah, et annonce donc euh, on organise un atelier sur Rust le 5 juin je vais te laisser présenter allô Ouais, bonjour. Je viens du coup euh, vous annoncer qu'on va organiser un workshop avec Clermont Tech, donc autour de la technologie Rust. C'est un langage, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous êtes tout autant invité. Donc le but en fait c'est euh, de découvrir un peu les bases du langage, de savoir comment l'utiliser et finalement de faire une petite application en l'utilisant. Euh, Rust c'est quoi globalement Donc un langage qui est tout récent finalement, première version en 2015 et qui est fait pour être rapide, aussi rapide globalement que le C, le C ⁇ qui est censé super fiable, pas d'erreur de, pas de segmentation par exemple, entre autres, et aussi qui est fait pour avoir des fonctionnalités de haut niveau, donc qui est euh, super pratique à utiliser en fait. Donc si ça vous plaît, euh, réunion à la part Dieu le 5, donc la semaine prochaine, euh, à partir de 18h en gros, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce vous en ayez marre. Je pense que c'est tout. Donc le... Pardon. Le, N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a 15 places ouvertes. On vient d'ouvrir les, les places sur le, le site de l'assaut. Euh, voilà, elles sont limitées. Essayez juste de vous inscrire que si vous êtes sur devenir pour éviter de griller des places à d'autres gens. Euh, sinon, voilà, c'est ouvert à tous, évidemment, aux débutants. Donc le menu du jour euh, ce soir, donc nous aurons d'abord un talk sur le machine learning qui va nous présenter Léo, euh, euh, Janella qui va nous présenter du end-to-end -end testing, le, attention son talk est en anglais, ne soyez pas surpris, c'est fait exprès, et Vincent qui va nous faire un talk sur Volt. Et donc j'invite Léo, Léo à venir, ah oui si vous voulez participer vous pouvez envoyer des, euh, des tweets euh, sur les internets. Et puis c'est tout, il n'y a plus rien derrière. Et le prochain API on ne sait pas quand ça sera, sans doute à la rentrée, je pense. Donc voilà, merci beaucoup, et j'invite Léo à venir. S'il te plaît. C'est bon C'est bon Tout le monde m'entend Ok, donc euh, bonsoir à tous. Je, donc je me présente, je m'appelle Léo Boucourt, je suis data scientist euh, chez euh, Agatis, et je viens vous parler un peu de machine learning euh, ce soir. Alors on va pas rentrer dans les gros algos bien velus, bien méchants, en fait je vais juste parler de régression linéaire et je vais décomposer la régression linéaire euh, vraiment pas à pas avec un exemple d'application concrète où je vais utiliser euh, du Python pour montrer comment on construit une régression linéaire et euh, dans quel cas euh, on peut l'utiliser. Euh, du coup, juste petite question comme ça avant de, de, de me lancer. Régression linéaire, ça parle à des gens Ok. Qui l'a déjà vraiment manipulé, qui est euh, ok elle est vraiment à l'aise avec, qui a déjà fait du machine learning, on va dire en production, tout ça. Ok, et qui a déjà manipulé du Python. Ouais, ça va. Et qui a déjà vu des notebooks Bon, on va, on va y arriver. Donc pourquoi la régression linéaire Pourquoi est-ce que je, je voulais vous parler de cet algo en particulier Parce que c'est un peu le hello world en fait du uh, data scientist euh, qui veut faire du machine learning. C'est un algo super simple à mettre en application qui va euh, permettre de répondre assez rapidement à, à une question euh, posée et qui ne va pas consommer trop de ressources. Euh, on n'a pas besoin de euh, GPU de ce genre de choses comme si on faisait des réseaux de neurones. Et euh, je vais l'appliquer là ce soir hein, à la résolution d'un problème de data science qui va être la prédiction d'un prix, euh, en l'occurrence de cartes graphiques, en fonction des caractéristiques euh, de, des dites cartes graphiques. Donc en pratique, je vais utiliser euh, Python et les packages phares de la data science euh, en Python qui sont NumPy, Panda et Matplotlib et euh, tout ça dans un Jupyter Notebook. Et je, on va essayer de faire pas trop de maths, donc euh, si jamais ça vous fait peur, le sponsor de la soirée, ça va être celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est le machine learning déjà dans un premier temps Donc moi je vais revenir un petit peu sur euh, la définition qu'on peut avoir de machine learning, deep learning, intelligence artificielle qu'on entend beaucoup en ce moment. Donc pour moi, ce schéma, il résume assez bien finalement ce que c'est ce que euh, le machine learning pour, euh, pour l'intelligence artificielle. C'est jamais qu'un qu pack d'algorithmes et d'outils qui ont été développés dans le cadre de la recherche sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est euh, finalement un, un domaine de recherche, un but à atteindre, et euh, les, les chercheurs ont mis en place euh, des outils pour y arriver. Donc le machine learning en fait partie, comme d'autres. Et à l'intérieur du machine learning, vous allez avoir un autre sous-ensemble qui s'appelle le deep learning. C'est euh, quand je fais du machine learning spécifiquement avec des réseaux de neurones. Donc, quand vous entendez ce terme-là, ça veut dire réseau de neurones. Et euh, si on veut être un peu taquin, bah, j'aime bien cette définition de euh, la différence entre machine learning et intelligence artificielle. En gros, bon, si c'est fait en Python, c'est plutôt du machine learning, si c'est fait en PowerPoint, c'est plutôt de l'intelligence artificielle. Okay Donc ce soir vous aurez droit aux deux. Pour le moment on fait de l'intelligence artificielle et après on fera du machine learning. Donc quelques définitions possibles du machine learning. Donc une qui est assez générale, qui est celle d'Arthur Samuel, c'est euh, le domaine d'études euh, qui va donner à un ordinateur la capacité d'apprendre sans être euh, programmé explicitement pour réaliser une tâche. C'est euh, assez vague. La deuxième est un peu plus précise. En gros, c'est à partir. Euh, <coughs> on, on va parler d'apprentissage pour un programme informatique, si à partir du moment, euh, pour une, une expérience, euh, <coughs> à partir d'une expérience E et euh, pour exécuter une tâche euh, T que l'on va mesurer avec la performance P, si cette performance euh, augmente avec l'expérience, on va parler d'apprentissage. Là déjà on est un peu plus précis. Mais globalement, si on veut résumer ça en une phrase, c'est une machine va apprendre seule à, à réaliser une tâche complexe à l'aide de processus itératifs simples. Et j'insiste sur le mot itératif, parce qu'il n'apparaît pas forcément sur ces deux euh, définitions, mais c'est la base du machine learning en fait, on parle d'apprentissage, donc il y a un cycle itératif où il va apprendre au fur et à mesure. Donc rapidement, euh, quels sont les principaux types d'apprentissage qu'on peut rencontrer Les grandes familles de, des algorithmes d'apprentissage, on a l'apprentissage supervisé, où là on va utiliser des données dites labellisées, c'est-à-dire des données dont on a la réponse. Donc, par exemple dans le cadre de la prédiction des prix de, de nos cartes graphiques, on va utiliser un jeu de données pour euh, des cartes graphiques avec des caractéristiques données, on a le prix associé. Et on va utiliser ça pour euh, à, faire apprendre nos algorithmes. Donc dans cette famille-là, on va avoir tout un tas d'algorithmes, les régressions linéaires et logistiques, les réseaux de neurones, les arbres de décision sont des algorithmes dits supervisés. Et on va pouvoir répondre à des problèmes de prédiction et de classification avec ce type d'algorithme. La deuxième famille, c'est par opposition au supervisé, le non-supervisé. Dans ce cas-là, on n'a pas l'information vraie en fait, de ce qu'on pourrait chercher à mesurer. Et avec les algorithmes de cette famille, on va répondre surtout à deux problématiques qui est. Euh, on, va, on va trouver deux familles d'algorithmes, de, le clustering, avec par exemple le K-means, et euh, la réduction de dimension. Donc là, c'est plutôt, on va essayer de trouver un sens. Euh, ou de recomposer les, les données euh, différemment. Donc la machine va apprendre elle-même à identifier une structure à l'intérieur des données. On ne lui donne pas euh, la vérité, en fait. Et la troisième famille, euh, dont je parlerai pas plus que ça, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'un sens ici, c'est l'apprentissage par renforcement. Et celui-là, il commence à être connu, parce que si vous avez tous entendu parler d'AlphaGo, de Google, c'est ce type d'apprentissage qui est utilisé. Je ne vais pas m'attendre, si jamais vous voulez en discuter, je suis dispo après. Donc, à quelle problématique va répondre le machine learning Moi, j'en ai listé 5. La liste est ouverte, on peut en enlever, en rajouter s'il y en a qui ont des suggestions. Pour moi, il y a les problématiques de prédiction, c'est ce qu'on va faire ce soir c'est prédire une valeur continue à partir de caractéristiques données. Les projections, qui sont l'application des prédictions aux séries temporelles, c'est-à-dire je veux prédire l'état du système à un instant t, et cet état va dépendre des instants t-1, t-2, t-3. La classification. Dans ce cas-là, on va prédire la classe d'un objet en fonction de ses caractéristiques. Donc plutôt que de prédire un prix qui est une valeur continue, on va prédire euh, la classe, quand euh, vous faites euh, la reconnaissance d'images par exemple avec des réseaux de neurones, et que votre, vous voulez savoir si votre image c'est un chat, un chien ou autre, et ben voilà, là vous êtes dans des problématiques de classification. La segmentation, qui est donc regrouper des objets par similarité, ça c'est le champ de, de, de domaine des algorithmes de clustering dont j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, un cinquième point qui pour moi est important, c'est la compréhension. Est-ce est que je veux comprendre comment... Euh, L'algorithme est arrivé à la décision qui, ou, à la, ou à la réponse qui m'a donnée. Il y a des algorithmes qui permettent de remonter assez facilement à la chaîne logique finalement de la prise de décision, et d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Et pour moi, c'est important de se poser ces questions-là en amont pour un data scientist parce que ça va driver le, le choix des algorithmes que je vais utiliser pour répondre à une question. Et donc tout ça pour arriver au plus simple, au premier, la régression linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire avec une régression linéaire Finalement, c'est déterminer la relation linéaire entre des variables d'entrée et une valeur de sortie que l'on cherche à prédire. Donc, on est dans l'apprentissage supervisé, et comme j'ai dit, on va faire prédire une valeur continue. En termes d'application, elles sont vraiment multiples. Comme c'est un des algorithmes de base qu'on va utiliser en premier, au, premier, au premier coup, on va la retrouver partout. Pour faire de la recherche de corrélation, en sciences pour modéliser des phénomènes, que ce soit en physique ou en bio, euh, dans le domaine médical pour des études épidémiologiques, dans la finance pour les prédictions des tendances, etc. Je pourrais en lister euh, énormément, il y a énormément d'exemples d'applications. Et donc, l'exemple qui va nous intéresser ce soir, et là on va partir euh, chez, sur les notebooks, c'est la prédiction du prix d'une carte graphique. Et donc on va commencer avec un, un, un cas simple où on aura une seule valeur d'intérêt, c'est le, le la valeur de GPU qu'on va associer au prix. Et donc pour ça, je passe sur mes notebooks, et j'espère que ça va. Ça va vous arriver à lire ou Hop. Euh, ok. Ah, je sais. Pas le souci on va rester avec ça comme ça ça le fait pour même au fond ou non en plus voilà on va essayer avec ça ça va ok nickel donc alors voilà à quoi ressemble un, un notebook donc c'est euh, on va dire le, le terrain de jeu favori d'un data scientist Bon, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, mais celui-là, il est assez intéressant. Donc on peut faire euh, du Python, on peut faire du R, on peut faire du Scala, on peut on pouvoir faire du JavaScript, on peut faire ce que vous voulez avec un notebook. En gros, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez des cellules de code que vous pouvez jouer dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez revenir euh, sur une cellule de code de plus haut, l'exécuter, etc. Mais tout, ces, tout ce code, en fait, est, euh, est, est exécuté dans un environnement commun. Donc là, j'ai mon environnement Python. Quand je vais déclarer des variables dans une des cellules, en fait, elles, ces variables vont, être, vont exister pour toutes les autres cellules de mon notebook. Donc le risque avec ça, l'utilité d'abord, c'est quand vous avez un jeu de données, vous le lancez à la volée, vous récupérez vos données, vous faites un joli data frame et puis vous commencez à faire des manips dessus. C'est super facile, vous partez dans tous les sens, vous avez plein de cellules partout. Puis au bout d'un moment, en fait, vous commencez à remonter en haut, à changer des choses. Et là, ça devient n'importe quoi parce que vous avez des variables qui sont référencées, vous ne savez plus d'où elles viennent. Donc le premier risque, en fait, c'est d'arriver à un grand n'importe quoi. Donc, il faut arriver à être un petit peu cadré, à remettre le truc propre de temps en temps, mais sinon, c'est super utile. Parce qu'une fois que vous avez votre code tout propre, que vous avez prototypé votre algo, que vous avez fait votre manip sur les données, finalement, vous n'avez plus qu'à le donner gentiment à, à un développeur ou, euh, ou vous le faire vous-même si, euh, si, vous, si vous y arrivez. Et il euh, n'y a plus qu'à le mettre en API et le mettre en production. Donc, c'est quand même plus pratique. Hop. Donc, pour ce qui nous intéresse. On va travailler avec nos cartes graphiques. Et donc, on va utiliser un, une librairie qui s'appelle Panda, qui permet d'aller récupérer des, des, des données. Donc, en l'occurrence, là, c'est un fichier CSV. Hein, un, un, simple, un simple Excel aussi. On peut, on peut aller chercher tout ce qu'on veut. Et Panda va nous permettre de manipuler ce qu'on appelle des data frames. Donc, c'est ce genre de, de petit objet dans lequel vous avez euh, toutes les variables, toutes les colonnes de vos données toutes les entrées qui correspondent et vous pouvez faire de, euh, des manipulations dessus euh, à la volée. Donc vous pouvez faire euh, la moyenne sur toutes les colonnes, vous pouvez faire des, euh, des groupes by, vous pouvez faire des moyennes glissantes, etc. il enfin, et bon, y a vraiment plein plein de choses. C'est un outil qui est très très complet et du coup qui est très utile pour faire de la manipulation de données. Hop. Donc une fois qu'on les a chargés dans Panda, on va utiliser matplotlib, matplotlib pour regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et donc voilà. Chaque point correspond à une carte graphique avec le prix en fonction de, du nombre de GPU. Donc intuitivement, on se dit, bon, il y, y a une petite tendance, hein, on va essayer d'y coller une petite droite là, et ça ne devrait pas trop mal marcher. Et du coup, cette droite qu'on va essayer d'ajuster ici, ben c'est notre modèle, c'est notre régression linéaire qui va nous permettre de modéliser l'évolution du prix des cartes graphiques en fonction des données, des, du nombre de GPU. Et donc pour faire ça, donc voilà, un petit peu de maths, je vous avais prévenu, on va définir x5 qui est la valeur de GPU de nos m cartes graphiques et leur prix. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est un modèle permet de prédire un prix qu'on appellera y chapeau à partir des x1. Définir une petite fonction qui permet de dire ben, j'ai un y chapeau à partir de mon x1. La régression linéaire, le modèle, c'est que cette fonction là on l'écrit comme ça. x1 c'est θ1, enfin pardon, y chapeau c'est θ1 fois x1. Tout simplement. Il y a un paramètre, vous avez une variable d'entrée, vous avez un paramètre qui vient le, qui vient le multiplier. Et pourquoi on appelle ça une régression linéaire Parce que pour rappel de maths, la fonction linéaire c'est f de x égale k de x. Et là on est exactement dans ce schéma là. Donc c'est un modèle très simple, maintenant la difficulté ça va être de trouver le bon θ1 qui va le modéliser le mieux nos données. Donc pour faire ça on va définir une petite fonction hypothèse qui prend x et θ qui nous fait le, <coughs> le produit scalaire des deux, et on va générer aléatoirement un θ random pour voir ce que ça donne. Et donc là, euh, donc on a notre hypothèse qui est ici et nos, variables, et nos valeurs qui sont là. Donc là, on n'est euh, pas encore ça, quoi. on est un peu, on est un peu on est dans les choux. Mais euh, ce qui serait pas mal, c'est de savoir de combien on se plante quand on fait ça. Parce que notre algorithme, c'est bien, il va tester des valeurs, mais il faut lui dire de combien il se plante pour savoir dans quelle direction il faut qu'il vienne modifier la valeur du paramètre. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction de coût. Et ça, c'est un terme que vous allez retrouver dans n'importe quel algorithme de, de machine learning parce que c'est cette valeur-là qu'on va chercher à minimiser. Finalement, vous pouvez voir ça comme une fonction là, qui va mesurer l'erreur que vous faites entre votre modèle et la vérité. Et donc cette fonction de coût, c'est ce que vous allez chercher à minimiser. Vous allez la retrouver si vous faites des réseaux de neurones, vous allez la retrouver si vous faites une régression logistique ou autre. Donc on l'appelle Jθ, euh, en général, et dans ce cas-là, on va prendre la, la somme quadratique des erreurs qui est définie ici. C'est juste que vous prenez l'erreur entre la prédiction et la vérité, vous mettez ça au carré, vous faites la somme sur toutes vos, sur, pour toutes vos cartes graphiques. D'accord Pareil, on fait une petite fonction qui nous permet de la calculer. Hop. Et maintenant, si on regardait pour un θ pris complètement au hasard, de 80, voilà ce que ça représente. Finalement, la fonction de coût, c'est la somme de toutes les petites barres noires au carré ici. C'est donc la différence entre la vérité et la prédiction qu'on ferait à ce moment-là avec notre modèle. Donc vous prenez toutes ces petites barres noires, vous mettez au carré, vous sommez, et ça vous donne cette erreur. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une erreur qui est de euh, à peu près 10 000. Ok. Donc maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est à minimiser cette valeur, d'accord Donc euh, est-ce qu'on pourrait être un peu euh, bourrin et on prend toutes les valeurs de θ possibles et on, on regarde ce que ça donne. Et donc là, on voit bien que le minimum il se situerait plutôt autour de 75-80. Donc jusque là, c'est plutôt pas mal. Sauf que donc on pourrait se dire bon bah je fais ça, je calcule toutes les valeurs et puis je prends celle qui va minimiser. Sauf que là, ça marche parce que vous avez un paramètre. Si vous commencez à avoir 10, 15, 20 variables, si vous faites tous les cas de figure possibles, vous commencez à avoir une combinatoire qui est très, très, très grande. Et là, en termes de calcul, ça devient euh, pas du tout optimisé pas intéressant. Donc, on va essayer d'être un peu plus intelligent et d'améliorer cette, euh, ce, ce, cette recherche du minimum ici. Et pour faire ça, on va utiliser un autre algorithme qui s'appelle la descente de gradient. Et cet algorithme, c'est euh, l'algorithme d'apprentissage qui est au cœur de la régression linéaire. On peut en utiliser d'autres. Il y a d'autres algorithmes que la descente de gradient pour l'apprentissage, mais cet algorithme, il est aussi utilisé. Il peut être utilisé dans tous les autres algos de machine learning que vous pouvez rencontrer. Dans des réseaux de neurones, par exemple, l'algorithme d'apprentissage, il, il utilise ça aussi. Ok. Donc la descente de gradient, elle utilise. La, on va calculer la dérivée de la fonction de coût, donc en fonction des paramètres θ. Donc pour euh, pour ce, Hop pour voir à quoi ça va ressembler. Hop Hop. Donc si vous prenez votre fonction de coût définie comme ça, pour souvenir, la dérivée, c'est si la fonction est décroissante, la dérivée sera négative. Si la fonction est croissante, la dérivée sera positive. Du coup, vous vous dites, si jamais, pour apprendre, en fait, moi, je veux descendre ici. Donc je sais que si je tombe à cet endroit-là, je calcule la dérivée, elle est négative. Donc je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction. Si je suis ici, la dérivée sera positive, je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction. C'est comme ça que la descente de gradient va nous permettre de, chouette, de trouver par itération, par bond successif, la meilleure valeur possible. Hop. Donc là, c'est la dérivée de la fonction de coût. Je vous ai mis ici où bon, on peut passer. C'était pour la beauté de l'écriture. Et donc, on fait une petite fonction Python qui nous retourne la dérivée de notre fonction de coût. Et voici l'algorithme de la descente de gradient. Finalement, ça va être de répéter jusqu'à ce qu'on converge cette petite formule-là. Donc notre θ1, on va le remplacer par θ1 moins α. Multiplié par la dérivée de notre fonction de coût. Et ce alpha, c'est ce qu'on appelle le, euh, le taux d'apprentissage. C'est le seul hyperparamètre de l'algorithme. C'est ce qui nous permet de définir la taille des bons qu'on va faire au fur et à mesure sur, euh, de notre descente de gradient. C'est ce qui va définir si on. Hop, par exemple, si on se met ici. Si on met un alpha trop grand, on part d'ici. Oui. Donc la descente de gradient nous dit qu'il faut qu'on aille dans cette direction. Mais si on met un alpha trop grand, il va partir ici. Et puis on va finir par sortir au fur et à mesure de notre, de notre minimum. Mais si on met un alpha trop petit, c'est pareil, il va nous dire qu'il faut aller dans cette direction, et puis il va faire des tout petits bons comme ça. Et donc là, ce ne sera pas optimal. Donc il y a un petit peu de, de, de réglage à la main, on va dire, à faire pour trouver la bonne valeur de θ qui nous permet de descendre comme il faut en, en minimisant le nombre de coups. Hum. Hop. Donc voilà. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour faire notre descente de gradient et commencer l'apprentissage. Finalement, il n'y avait pas grand-chose. Une petite, une petite dérivée et, puis, et ça marche. Avant de faire ça, on va, euh, va d'abord un petit peu travailler sur le dataset. Il y a une chose importante à faire en, en data science, dans les bonnes pratiques, c'est de séparer le dataset. On ne va pas tester notre algorithme sur la même, les mêmes données que celles sur lesquelles on a entraîné notre algorithme, sinon il y a un biais, évident. Donc en fait on va séparer le, les données. On va garder un tas pour faire l'entraînement, environ 80-70%, et un autre tas pour faire euh, le test. Donc 20-30%. Donc on les sépare ici. On va définir notre learning rate à 0.045. On définit aussi une précision qui nous permet juste d'arrêter l'apprentissage la, quand on a suffisamment euh, quand la, la convergence est atteinte. Hop. Hop. Et là, on va pouvoir commencer l'apprentissage en tant que tel, si ça veut bien. Et donc vous allez voir ici, au fur et à mesure, la valeur de notre θ1 va changer et va venir converger jusqu'au minimum le intéressant. Ici vous voyez donc pour les données du jeu d'entraînement l'évolution de l'hypothèse au fur et à mesure et qu'elle converge vers, vers son optimum. Et ici, vous avez l'évolution de la fonction de coût en fonction du, euh, du nombre d'itérations. Et ça, c'est la chose qu'il faut regarder, parce que pour que, euh, vérifier, monitorer que votre algorithme est en train de fonctionner correctement, il faut que cette fonction de coût soit continuellement décroissante. Si la fonction de coût est en train d'exploser, ça veut dire que vous avez sûrement un learning rate trop grand, donc euh, vous devez arrêter, modifier le learning rate et recommencer. Si la fonction de coût diminue, mais euh, tout doucement, c'est pareil, vous avez sûrement un learning rate trop petit. Et donc voilà. Hop. Donc là, on a terminé l'apprentissage et on a trouvé la valeur optimale de notre θ est 78. Donc on n'était pas trop mal en mettant 80 tout à l'heure. Et maintenant, à partir de là, on peut commencer à faire des prédictions. Donc une petite euh, fonction pour calculer l'erreur. Et donc on voit qu'il a suffi de 12 itérations pour arriver au minimum de 78. Et l'erreur sur l'échantillon d'entraînement est de l'ordre de plus ou moins 100 euros sur le prix d'une carte graphique. Bon, c'est élevé quand même. Hein. On avait vu euh, que euh, le prix d'une carte graphique en fonction du GPU, il y avait une dispersion qui était quand même assez élevée, donc on s'y attendait. Mais ça reste quand même un peu élevé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur l'échantillon de test, on a une erreur qui est aussi élevée, mais qui est du même ordre de grandeur que sur l'échantillon d'entraînement. Donc, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on n'a pas surappris sur notre échantillon d'entraînement, notre modèle il se généralise assez bien sur l'échantillon de test. C'est à dire qu'on n'a pas de ce qu'on appelle de variance en termes de data science. Quand il y a un écart trop important entre l'échantillon d'entraînement et l'échantillon de test, ça veut dire qu'on a surappris sur un petit bout de l'échantillon et que notre modèle se généralise mal. Bon, là en l'occurrence, on a un autre problème, c'est celui du biais. C'est qu'on a une erreur qui est beaucoup trop importante. C'est à dire qu'on a un modèle qui est sûrement trop simple, des chances, avec pas assez de variables pour décrire le phénomène qu'on cherche à représenter. Il y a aussi des changes. Mais quoi qu'il en soit, on peut quand même faire des prédictions. Donc voilà, si on voulait mettre une nouvelle GPU sur le une nouvelle carte graphique sur le marché de, avec 5 Go de CPU, GPU, on se dit qu'on pourrait la vendre autour de 390 euros, on ne serait pas trop mauvais. Ok? Hop. Donc là, on est là. Et donc juste un mot maintenant, comment est-ce qu'on pourrait améliorer un peu notre, euh, notre résultat alors soit on pourrait aller chercher des algos plus compliqués, soit déjà dans un deuxième temps on pourrait se dire qu'une carte graphique c'est pas que le nombre de GPU, il y a peut-être d'autres caractéristiques qui vont jouer et influencer le prix. Donc on va plutôt essayer de faire une régression linéaire en mettant plus de variables, et dans ce cas-là la formule mathématique elle s'écrit comme ça, plutôt que d'avoir juste θ1, x1, et bien on va faire juste plus θ2x2, θ3, x3, jusqu'au nombre de paramètres qu'on a. Ce qui fait que l'avantage de ça, c'est que quel que soit le nombre de paramètres, finalement, qu'on en ait un, qu'on en ait 10, qu'on en ait cinquante, c'est exactement le même code qu'on va utiliser. C'est exactement les mêmes fonctions mathématiques qu'on va pouvoir utiliser. Et donc là j'ai euh, prévu de faire un petit peu de... de parler un peu de, de, de comment est-ce data scientist allait travailler avec un, un, un dataset de ce genre-là. Parce que là par exemple c'est euh, nos cartes graphiques avec toutes les caractéristiques un peu intéressantes. Donc on va pouvoir récupérer le builder, le chipset, la fréquence, euh, etc. Et voir comment est-ce qu'on manipule toutes ces données-là. Parce que vous voyez ici, il y a des données manquantes, il euh, y a des données là-dedans qui ne sont euh, pas préparées pour l'algorithme. Notamment, il y a des données catégorielles, il y a des strings, il y a des choses comme ça. Ça, euh, la régression linéaire, ça, elle ne va pas lui aller. Il lui faut soit des valeurs continues, soit des booléens, soit ce genre de choses. Et finalement, le travail d'un data scientist, finalement, il ne se, se résume pas à faire euh, à écrire des bouts de code Python pour faire le, la régression linéaire. Ça, euh, au jour le jour, en fait, on va utiliser un... Une, une librairie comme Scikit-Learn, qui le fait en, en trois lignes de code. Par contre, on va passer du temps à faire ça, à travailler sur ces données, à les rendre propres, à enlever les données manquantes, à les préparer pour l'algorithme qu'on a choisi, à gérer les, les données aberrantes aussi, parce qu'il y en a, à recréer de nouvelles features à partir de celles existantes, pour euh, gagner encore en, 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 en performance, en réduisant le nombre de features aussi, en les recombinant d'une manière un peu plus intelligente pour diminuer le nombre de, de, de variables et gagner en temps de calcul, etc. Et c'est ça finalement qui est le plus important. C'est ça qui est le, le, le gros du travail d'un data scientist. Et donc si on voulait faire ça, par exemple avec ce, ce, ce petit jeu de données là, et ben ça ressemblera à ça. D'abord on devrait faire un peu de gérer un peu les données manquantes, comme on voit ici, il y, y en a beaucoup. Euh, gérer les données, les entrées qui sont un petit peu aberrantes aussi. Donc là, c'est une, une carte graphique qui n'a pas de chipset, qui a une mémoire qui est à 0,016, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce genre de cas Donc on peut les enlever, on peut voir avec les gens du métier en général, c'est ce qu'on ce qu va faire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données, parce que c'est eux qui les connaissent. Hop. Donc je, je passe vite, parce que du coup, plus, euh, j'ai plus le temps de trop, trop, euh, trop gratter. Mais à la fin, on est censé se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, en tout cas pour la régression linéaire, c'est-à-dire un jeu de données avec uniquement des données euh, numériques ou des, euh, données, euh, les données catégorielles qui ont été transformées euh, de cette manière. Donc euh, un vecteur booléen avec des 1 et des 0 sur toutes les autres cas de figure possibles. Et ça, on peut l'envoyer à notre euh, algorithme d'apprentissage, où je vous passe, Hop. qui va euh, tourner comme ça. Donc là, j'ai enlevé la, la partie intermédiaire où on voit les, les petits détails du θ1, θ2, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qu'on va monitorer à chaque fois dans l'apprentissage, c'est l'évolution de, la, de la fonction de coût, ici pour l'échantillon d'entraînement et l'échantillon de test en même temps, et de bien vérifier que les deux diminuent et convergent ensemble. Donc là, on voit qu'en rajoutant des variables, on a largement augmenté le temps de calcul aussi. Hein. On avait 12, en 12 étapes la première fois avec une seule variable, là on en a euh, à peu près 110. Par contre, l'erreur est passée de 100 euros sur une carte graphique à quelque chose comme 40 euros. Donc bon, en rajoutant des variables, on a gagné en performance, clairement. Et l'intérêt de la régression linéaire aussi se situe ici. C'est qu'à la fin, comme il y a un paramètre pour une variable, vous pouvez remonter très facilement à, à, quel, à, comment, à quel, quel poids a eu la variable pour faire la prédiction. Je vous parlais tout à l'heure de compréhension, de comprendre comment l'algorithme a pris une décision. La, ré la régression linéaire le permet. Par exemple, on voit bien que euh, le prix augmente en fonction de la fréquence, il augmente encore plus en fonction de la mémoire. Euh, si c'est un chipset AMD plutôt qu'un chipset Nvidia, et ben, il a plutôt tendance à diminuer, c'est-à-dire que MD est moins cher, on va acheter AMD. Et ainsi de suite. Et donc, euh... et donc en fait je crois que j'ai fait le tour. C'était un peu, un peu rapide sur la fin. Et donc je vous laisse avec une petite citation de Douglas Adams en fond.

Il y, y, y a différents algorithmes qui existent. En général, on va tester 2-3 pour voir lequel répond le mieux. Mais euh, par exemple, euh, définir la bonne architecture d'un réseau de neurones, ça c'est hyper complexe en gros parce qu'il y a énormément de paramètres à gérer. Toute la partie d'hyperparamétrage. On peut y avoir le nombre de couches euh, du, du réseau de neurones, euh, le nombre de cellules par couche, euh, la fonction d'activation, euh, etc. Il y, y a vraiment énormément de paramètres. Et euh, Google, ils ont sorti euh, un truc qui s'appelle AutoML. Et en fait, ça génère automatiquement l'architecture de réseau de neurones qui va répondre le mieux à la problématique. Et ça utilise du machine learning. En l'occurrence, je vais pas dire de bêtises, des algorithmes génétiques ou des choses de ce genre-là. Et en fait, ça va générer au fur et à mesure l'architecture la, du réseau de, de neurones qui va bien. Donc, euh, on appuie, on lance les données, et puis on va boire un café, quoi. Alors, pas avec la régression linéaire. Euh, en fait, le problème des variables catégorielles, c'est qu'on ne peut pas faire un, un, un truc numérique en disant euh, ben, je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, parce que là, on crée une hiérarchisation entre les, les différentes euh, valeurs. Donc là, c'est pas possible. Donc, si on veut faire une régression euh, linéaire avec euh, des variables catégorielles, effectivement, si s'il y a 100 euh, valeurs possibles pour votre variable, bah, vous êtes obligé de faire euh, soit du one hot vector encoding, donc vous créez 100 variables, booléennes avec il euh, y en a une qui sera à 1 et les autres seront à 0. C'est un peu bourrin. Mais il D'autres algo qui permettent de gérer un peu différemment ces cas de figure. Et il y a peut-être moyen aussi euh, de là comme ça, non, je vois pas. C'est assez difficile en fait de gérer les variables catégorielles directement. Mais euh, avec la régression linéaire, non, c'est le seul moyen en tout cas. Ou alors de créer une hiérarchie, s'il y en a une qui est logique. Ou alors de retourner voir les gens du métier en leur demandant, il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure euh, réorganisation de vos variables. j'ai plus les noms euh, en tête mais il y a des y a, ouais, euh, en fait je, 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 je les connais via leur sigle et encore euh, vite fait euh, dans Scikit-Learn. il y a une descente de gradient un peu améliorée euh, qui permet en fait de euh, qui introduit une part d'aléatoire parce qu'en fait la, la, la complexité de ce genre d'algorithme c'est quand on tombe sur un, dans un minimum euh, local en fait, la descente de gradient de base, elle ne peut pas en sortir parce qu'elle reste dans son truc. Et c'est peut-être pas forcément le minimum global, ce n'est pas la meilleure solution. Et En fait, il y a des descentes de gradient un peu améliorées qui introduisent un, un, un peu d'aléatoire en fait, pour essayer de faire forcer le, le gradient à sortir de, de son minimum lo local pour voir s'il n'y a pas autre chose de plus intéressant à côté. Ça, c'est un, un exemple comme notre, mais autre. Mais le terme exact, je me souviens plus de, de cet algo. Désolé. Merci beaucoup. Merci à vous. comme ça d'accord oui ça va euh, c'est bon vous m'entendez <laughs> allô mic test <laughs> All uh, right. Hi, everyone. I'm Janela Pasquale. I'm a front end developer at Perfect Memory. And uh, one of my main responsibilities is um, ensuring that users and users have a coherent visual experience. So, how do I implement that with N CSS and end to end tests? So first off, most of our applications, they pass through what we call a software development lifecycle, which consists of several steps. So the objective of these steps is to ensure that we deliver high quality products. And we as developers, we play an important role in the testing and integration stage to ensure that our cycle is continuous and um, is smooth. So, um, we have several types of tests at our disposal, but the three major ones are our unit tests, integration tests, and end-to-end -end tests. So here's a testing pyramid. Uh, has anyone of you ever encountered this this model? <laughs> okay. So a testing pyramid, uh, it represents the ideal ratio of our volume of, number of tests so if you see the pyramid there's layers each layer has a type of test which ideally like so first off at the base of the pyramid we have our unit tests so our unit tests they test our uh, database models our services our helpers our base components and the, these are the tiniest logical blocks of our application so they also lay the groundwork of our application. So it is important that we have a lot more tests for this. It will also serve as a good groundwork for our higher level tests, for example, integration and end-to-end -end tests. They are super fast. They are less costly to maintain, and um, uh, there's yeah, they're super fast and they're less costly to maintain. However, they're too abstract for our end users, and having them will not guarantee that our application will compile. Next off, we have our integration tests. In integration tests, they test our higher level components. So an example of a higher level component would be uh, an auto-completion form. For a unit would be uh, a search input, a user inputs uh, a search query, and our integration test will be testing that their input uh, shows uh, or displays our list of suggestions correctly so as you can see um integration tests have more dependencies so they're a bit slower and uh, a bit harder to maintain than unit tests and then right on top are end-to-end -to -end tests end-to-end um, -end tests would require us to launch a browser and which connects to a test server um, and um, um, sorry um so our end-to-end -end test would require us to uh, build and launch uh, most of these bulky dependencies um, but which uh, sorry <laughs> but oh yeah but this is a very good tool for for agile because it will allow us to validate an entire user story. Are you familiar with, uh, who here uh, uses Agile at their work? Okay, so user story. <laughs> so our user story, um, an example of a user story, for example, have we have an application called My Books. Yeah, this example will come up later. So My Books, so for example, we have users, they could log in, they could search for a book, mm -hmm. and then they'll be able to add these books to their reading list. Um, End to end tests will allow us to test the, this entire user scenario as opposed to integration, which will just focus on, say, just searching or logging in. However, um, end to end tests, uh, we only write a little because they're quite known to be very slow and hard to maintain. As we've seen, we have to, as I've explained, we have to launch a browser and uh, build a, s a test server, and that contributes to. End to end-to-end tests being uh, really costly to maintain, so ideally you would like to have just a little. So as we notice, um, as we move up the pyramid, the, the tests are slower and harder to maintain. But what's important is that our tests also become more relevant for our test user and for, uh, for our users. So it is um, important to have end-to-end tests on top also. The pyramid might give an idea that end to end tests aren't impor important, but actually um, um, it plays a vital role because this is the only way we could um, validate that our application is working, which unfortunately our integration tests and unit tests won't be able to, to do. So, the bottom, they're faster and easier to write, are a bit slower and costly in the end to end tests, but they're less abstract as we go up. So, all right. So, end-to-end -end tests are still important investment, but they bring in co um, a cost. But we have to understand why end-to-end uh, -end tests are known to be brittle. Um, most of uh, it's mostly it's mostly due to the the fact that browser events are, are asynchronous in nature. So, for example, when you launch your app, usually there's a time of uh, a time needed to wait. We wait for. Our external libraries to, to load, we have to wait for our page to be to render. Okay. Even the fact of loading a video or an image, or sometimes there are pages where one part is loaded and the other part loads separately. So these are the reasons why there's um, End to end tests can be a bit uh, difficult to to predict. There's also this. Um, also, this problem with browsers behaving differently. Um, one time at work, we were testing, uh, we were trying to put end to end tests in our workflow. So it came into two steps. Uh, I tried to test, to write uh, all of our end to end tests on Chrome to, to stabilize it, to see, to get a feel of um, how end to end tests would uh, would work with our application. All right, all tests are passing. Great. And then when I tried it on Firefox, I noticed that the tests were really slow, and uh, sixty percent were failing. So at first I didn't understand why, and upon further analysis, I I, uh, I saw that the solution should be to explicitly tell the browser to wait for this element to load, this element to load, this element to load. Before, um, when when our tools were less advanced most of our end to end tests would have explicit uh, would have magic numbers in our weights. So we'd put browser weight 300 seconds or or 30 seconds, sorry, not 300 seconds. 30 seconds and all that. So despite these drawbacks, end-to-end uh, -end tests are still important because it's the only way to to test a complete user scenario. It's important for for agile. Also, this question of um, manual tests. Imagine if you have a team of manual testers and uh, we have to to test for Chrome or Firefox. So at work we have 200, um, around 200 end, -to end tests and that would take us about um, eight minutes to run. And to write 10 end-to-end -end tests, it took us about a day, which is compared to um, there's a library at work where we have 4,000 unit tests and it only takes us 20 seconds to run. And it can take us, um, I know, 20, 30 tests in just a few hours. So imagine like, for, for, for a machine to run automated tests, end to end tests, it takes us eight minutes for one browser. Imagine having a human tester test 200 tests for one browser and having to repeat that to another browser. So we could see that there's still a uh, um, uh, a good investment in having to automate them, and then lastly, we do not want our bugs to appear in production we we do not want our test our our users to be testing our apps. So how would we remedy the fact that end to end tests, while still important, will make it less painful for developers to maintain, well, one good thing to have in mind is that to accept that tests are also part of our code base. So oftentimes developer would set aside um, good coding convention, pardon, sorry, uh, good <laughs> coding conventions, because we don't consider tests as, our, as part of our actual application code. But also remember that tests are here for quality. So it is not unreasonable to expect that we have um, to write High-quality tests. So over at work, um, most of our front-end uh, applications are developed in Angular. So projector comes out of the box, and this is what we use. So it's been a year since I've been uh, writing end-to-end tests, and I'm happy that um, just recently we've established our tests. I, I managed to solve some of the problems with um, Firefox being really um, difficult to to test with. So now we've integrated it in our CI, and it runs uh, every day. And then uh, we see, like, uh, we have it run four a.m. in the morning. So when we get to work, we can see if some of the tests are failed or from our previous build, from the pre from a build of a previous day. So I'd like to to give a tutorial, uh, a a short workflow, a short walkthrough on how we ideally. Um, with uh, the approach it at work, so going back to our application, the My Books application earlier. So this is our user journey. For example, okay, a user logs in. Second part, there's our search bar where we can type the, the name of our book, and then our results will come up, and then we have our our possibility to add it to our re to our reading list. So most of you are probably familiar with the, the syntax as a user, et cetera, and the BDD syntax. So for example, given that a logged in user has nothing in his reading list, user searches for life, the universe, and everything, and that is to his reading list. I read really like, uh, well, I, I read the, the first book uh, about six times. <laughs> this one about two times. And then life, the universe, and everything should be in his reading list. Fortunately, we can't uh, see it. Same the I Had the same problem. So basically, how we'd implement it implemented in Protractor is um, as we see. There's a there's a parallelism with our given syntax. So given scenario reading list. Given that our user has logged in. When the user um, searches for a book so here we actually have our describe saying adding from search page we send, um, we send a search life the universe and everything we explicitly tell our browser to wait until results come and then our assertion would be it should display the added title and the reading list so if you see it's a bit verbose this one is a is a selector to select the, the elements of the of the the app which we can interact here. For example, here a login form. We can send our, our the keys a, a test user, and then we explicitly tell the browser to, to wait for, for the login to be successful. So if you see that, it's all ver verbose and um, it's still lacking some of the good coding conventions we've been uh, aiming for. So my suggestion would be to, to refactor with page objects. So it's a it's a good pattern to to use because it applies separation of concerns. It avoids repetitive code, especially if you're going to test multiple scenarios of logging in. You do not want to repeat the the the, the, the code earlier. So you you essentially put that in a class, and also al allows for easier maintenance because if ever your CSS selectors have changed, you would just have to change it in one place. And finally. It sounds more meaningful and more natural. and your specs file and your spec files actually look like a real spec file. So an example of a page object. so there's a class like a normal class, normal typescript class. there's login, one for search page. In, lo in login we'd, uh, we'd have a function called start and login where we get the home page, um, input our test user and click on the login button we've we'll also modulize the elements as a property of the page and, the, and what's also nice to have what we do is we have our helper, cl helper class where we put other functions that are more or less related to end-to-end -end tests and our example of our function that we've moved is to, is to wait until the results come up so here i've, I've written that we explicitly wait until the item count is greater than zero or wait until uh, an element is present. This one I use a lot in our in our tests. So how would we? So how would it look like uh, implemented with page objects? So essentially, at the start, we'd like to list all of our dependencies so in one place. We could see at a glance what are the dependencies of our of our test. We could see that the reading list scenario has login, search page, the nav board to show the reading list, and of course our helper. We initialize all that in our setup function. There's our login page start and login. So we all the noise of uh, technical stuff have been uh, moved elsewhere. And the second part is this. So if you see it, it really reads like a, a spec file. So adding from search page where you search for the title. Wait for the search result. Add result first. I Abstracted it with the index of the, the result, so the first result. Um, we open the reading list, and then we expect that the first item of the reading list, the title, it equals uh, "Life, the Universe, and Everything." So, uh, just a few f a few tips before I, I end this talk. Um, first. Uh, aim to push tests further down the pyramid when possible. That means if a test can be uh, tested in unit test uh, and you've tested it in the end-to-end -end test or integration test, if it's possible to push it to the unit test, uh, the better. Um, there is no need to test functionalities that way. That that means like if you've wanted to test uh, email validation, uh, if you've tested it in the unit test or integration test, there's no need to test it again in the End to end tests. If you have to test it again in the end to end test, because even if the unit tests were passing and you saw that in the interface, the end to end tests have failed, it's probably uh, a code smell. And last but not the least, um, we know that end to end tests are very costly. So, to better um, optimize our efforts, we would apply the 80 20 rule or the Pareto principle. So, what it essentially means for end to end tests. Um, Eighty percent of our critical functionality are found in twenty percent of our modules. So, what I suggest is to list down twenty percent of the of the most commonly used scenario by your users and focus all of your efforts in testing that. So, thank you for listening. That's all. <laughs> tout à l'heure. Merci. Beaucoup. C'est bon Ouais. Comment je plaisantais euh, ben, Bonjour à tous. Donc, Vincent Mazneau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, euh, je suis ingénieur à Olimos, qui est euh, le laboratoire d'informatique, modélisation et optimisation des systèmes, hébergé à l'ISIMA, l'école d'informatique d'ingénieur de, de, de Clermont-Ferrand. Euh, il se trouve que je suis développeur de mon état, mais que voilà quelques bons mois que je fais pas mal de d'admin, on va dire, et puis que j'ai rejoint euh, une équipe. Euh, et donc, on a des problèmes. Euh, on a beaucoup de problèmes. Mais <laughs> mais il euh, y en a un qu'on a partiellement résolu euh, grâce à un outil qui est celui du partage des secrets. Donc, euh, je vais vous parler de Vault. Euh, grosso modo. Euh, Histoire qu'on soit bien tous d'accord, on a tous des secrets à gérer, des mots de passe, etc. La plupart du temps, on utilise euh, au mieux passe, euh, au pire euh, un service en ligne, genre euh, Dashlane ou euh, les mots de passe de Google, etc. Donc euh, moi je suis vraiment euh, très préoccupé par la souveraineté. Donc euh, moi c'est mon keyPass qui est synchronisé sur mon cloud euh, avec mon avec mon... mon avec euh, mon, mon laptop et mon, euh, et, et mon, et mon téléphone. Euh, là, on est un peu dans la même idée, parce que, mais euh, on a un problème avec euh, qui passe, c'est que pour partager, ça ne marche pas, et pour automatiser, c'est un petit peu compliqué aussi. Euh, pour automatiser, en faisant un petit peu d'effort, j'ai trouvé des libs qui savaient lire des, euh, des KBX, c'est-à-dire des, des fichiers euh, chiffrés euh, euh, qui passent, mais on reste vraiment dans de l'artisanat, alors que là, on a une grosse... Rolls-Royce, qui s'appelle Volt, qui est faite par Corp, le fabricant de Rolls-Royce DevOps du moment. Donc, hein. euh, c'est écrit en Go, comme euh, j'ai fait le calcul, 70% de, de ce qui est produit actuellement par AshiCorp. Enfin, grosso modo, il n'y a que Vagrant euh, qui est un produit Hachicorp, qui a été écrit en Ruby, et j'imagine que c'est le premier. Depuis, tout le reste est en Go, Terraform, Consul, etc. Donc, euh, Volt ne fait pas euh, exception, il est cross-platform. Alors on va voir que ça, ça, ça a un sens, hein, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire que, euh, euh, il est euh, disponible sur toutes les plateformes. Euh, il utilise un langage qui s'appelle HCL, qui est le, la HCorp euh, Control List, qui est euh, presque, du, euh, presque du JSON, mais pas vraiment du JSON. Donc euh, voilà, c'est du HCL. Euh, on, on verra un petit exemple après. Et HICorp euh, pousse largement l'intégration avec Consul et Terraform. Donc Consul qui est là pour. Euh, qui est une base de données clé-valeurs, grosso modo, qui stocke euh, des états, ce genre de choses, et qui a un mode discovery qui permet probablement de s'enregistrer, et Terraform euh, qui permet de euh, euh, manipuler un petit peu les ressources euh, via un hyperviseur. Je fais ça de manière très générique. Alors moi-même, je ne l'ai pas testé. Et je vais y revenir. Il est auditable, alors ça c'est intéressant, c'est une option qui est, euh, qui, est à qui est activée, mais elle est quand même relativement intéressante. C'est-à-dire qu'il va loguer absolument tous les accès au secret et toutes les opérations de maintenance qui vont être faites euh, dans le, au niveau du, euh, du serveur. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez euh, intéressant. Il est bien documenté, il y a une bonne documentation comme tous les projets, euh, comme tous les, les produits HICORP. Euh, Celle-là est assez dense mais comme tous les produits Ashicorp finalement, c'est un couteau suisse, donc ça c'est euh, euh, l'avantage comme le défaut, c'est-à-dire que Volt fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui va rendre cette présentation extrêmement frustrante, puisque je vais vous présenter le basique de chez Basic, c'est-à-dire juste ce que j'ai fait marcher. Mais on va essayer de, de parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Comment ça se présente? C'est un binaire. Donc le binaire est cross-platform. Ce qui tombe bien parce que, à la fois, le binaire sert pour le serveur et à la fois, il sert pour le client aussi. Donc, vous avez d'un côté un serveur qui présente, grosso modo, une API REST, avec euh, éventuellement une UI Web qui se base sur l'API REST et un CLI. Qui fait pas grand chose d'autre que des curls finalement sur une API REST donc euh, là on est vraiment quelque sur un produit full API et vous communiquez avec le cli euh, soit avec euh, des commandes soit éventuellement par des variables d'environnement une des variables d'environnement qui va bien à c'était c'est euh, l'adresse du serveur que vous voulez euh, tout simplement euh, interroger donc vous voulez vous sortez et puis c'est parti euh, alors au niveau de la configuration euh, bon c'est dépendant de ce que, du, du choix que j'ai fait mais on peut partir avec quelque chose de très minimal c'est à dire qu'on lui indique un pass où il va euh, stocker les mots de passe parce sait, vous allez voir qu'il y a pas mal d'options pour mettre les mots de passe dans le cloud mais une fois de plus euh, le côté souverain euh, fait partie de, de, de mon choix d'envol donc moi c'est vraiment l'idée c'est vraiment de l'héberger sur un serveur et puis euh, quelques paramètres pour la sécurité notamment les certificats TLS est-ce qu'on active lui ou non et puis euh, sur quel port on est en écoute et puis c'est parti donc c'est parti. Il y a quand même une question à se poser. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème pour accéder au secret. C'est quel est le secret qui permet d'accéder au secret Donc là, l'idée, en fait, c'est résolu par, un, par un, euh, un procédé cryptographique qui s'appelle le Shamir, le Shamir Secret Sharing. Donc Shamir, c'est le S de RSA. Euh, donc c'est un chercheur en crypto euh, qui a quand même fait quelques trucs, du coup. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que l'idée c'est qu'on va euh, au tout début, on va initialiser le, le Vault en lui disant, tu vas nous générer n clés et il en faudra p pour déverrouiller le Vault, sachant que p est strictement inférieur ou est inférieur ou égal j'ai dit quoi n au début hein, c'est ça <laughs> et alors donc ça c'est un procédé cryptographique qui est euh, qui est assez simple à expliquer euh, par les mathématiques que je ne vous expliquerai pas mais je vous invite à faire pression sur Pascal Lafourcade, parce qu'il fait ça super bien donc euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, assez simple à comprendre et puis vous avez un route token qui vous donne tout simplement euh, l'accès à toutes les fonctionnalités euh, de votre vault donc une fois que vous avez ça l'idée c'est bel et bien de le répartir euh, dans une équipe avec euh, un secret que, qui est réparti entre plusieurs personnes et vous savez qu'il faudra en avoir au moins deux présents pour pouvoir euh, ouvrir le vault. Ensuite, une fois qu'on qu a initialisé ça, eh bien, euh, que le vault est déverrouillé, eh bien, euh, le secret est disponible. Donc ça se passe comment ben, le secret, grosso modo, il est en mémoire, bien entendu, il est écrit nulle part. Euh, vault stocke euh, ses, euh, ses secrets dans des fichiers qui sont chiffrés. A priori, tout indique que c'est du de l'AES. La doc et puis la tête que ça a, c'est pas grand chose d'autre que des fichiers de JSON avec un value, deux points et puis des, des chiffrés qui sont organisés en, en répertoire. Quoi. Au niveau de l'authentification, alors là on rentre un petit peu dans l'aspect dans coûteux suisse de, de Vault, vous avez plusieurs options. Donc euh, bien sûr, moi, la ligne Cloud, c'est vraiment celle que je n'ai pas explorée. Hein. Je suis content qu'on puisse faire de l'authentification avec Amazon et Azure, mais ce n'est pas mon problème. Euh, on a une partie euh, app role donc qui, va, qui, qui est vraiment euh, dédiée plutôt euh, au rôle pour application. C'est-à-dire qu'avec Vault, non seulement on va pouvoir avoir un système de partage en équipe, mais on va pouvoir partager plus largement avec des avec des applications qui vont pouvoir avoir leurs propres permissions et donc, lors de déploiements automatiques, lors de CI, etc., aller euh, chercher dans Vault les secrets qui les préoccupent. Euh, alors, on a d'autres... Euh, donc, ça, c'est Approl, le, le AppRole. Il est euh, spécialement dédié euh, aux orchestrateurs, notamment à Kubernetes, etc., mais ça peut s'utiliser avec Ansible aussi. C'est vraiment orienté à l'application. On a euh, JWT OIDC, ça, c'est OpenID Connect. Donc, euh, bon, voilà, faut, euh, on peut faire de l'authentification par certificat TLS, pour la sécurité c'est plutôt sympa. On a une, euh, un username-password qui permet de, de l'utiliser en mode complètement euh, cloisonné, c'est-à-dire on crée les utilisateurs, alors c'est les utilisateurs qu'on crée dans Vault, hein, ce n'est pas les utilisateurs système qui, euh, qui s'authentifient dessus, c'est vraiment euh, tout à l'intérieur, c'est chiffré par Vault, etc. Après vous avez euh, une authentification via Kubernetes. Moi je vous parlerai de l'authentification LDAP parce que comme je suis un universitaire, nous on a du LDAP, on a des bonhommes dans du LDAP, on met tout avec du LDAP. Et finalement, euh, j'ai trouvé que ça marchait vraiment très très bien. Vous allez voir pourquoi. Euh, donc l'authentification, vous avez un Volt Login token, vous passez un token d'authentification. Donc ce token d'authentification, euh, c'est un token que vous auriez, gé que vous auriez euh, généré pour euh, une application euh, dédiée qui a accès à une partie des secrets, je vous détaillerai ça un petit peu tout à l'heure. Euh, ça revient exactement au même que de faire un export de, de variable d'environnement dans, dans la variable d'environnement vol token. Il euh, y a une coquille, là il n'y a pas le token. Là. Désolé. On a, et comme méthode d'authentification, on a votre login, euh, login, on choisit une méthode. Alors là, moi pour le coup c'est LDAP. Il va, utiliser, il, va, il va chercher directement, euh, il délègue complètement l'authentification la, la, à LDAP. LDAP lui renvoie que c'est ok. Et en fait tout ce qu'il fait c'est générer un token dans un fichier texte. Ça c'est un peu bizarre, mais il y est dans mon fichier texte, dans mon home -dire, donc il faut se persuader qu'il n'y a que moi qui y ai accès. J'ai pas gratté, euh, ça me paraît euh, bon, je pense que c'est euh, quelque chose qu'on peut, euh, qu peut moduler. Ensuite, on a, toute une, toute une, a tout un système de policy. Donc, grosso modo, ce qui est, ce qui, dans Vault, vous gérez essentiellement des passes. C'est soit des passes de, euh, vers vos secrets, soit des passes vers des services. C'est ça qui. Enfin, ça marche vraiment comme une, comme une API REST. Donc, dans, dans les passes, dans vos secrets, moi j'ai un pass CRI qui, est, qui contient euh, tous les secrets en fait. Donc, ça c'est vraiment le, le pass pour euh, l'équipe. On pourrait bien entendu avoir un pass. Euh, Cris, service, application, LDAP, etc. Et vous allez pouvoir avec le format HCL qui est celui-là, hein, donc euh, on a des accolades et puis on a un capabilities avec euh, une syntaxe de liste qui permet de donner des, euh, des permissions sur un pass. Et donc ce, 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 ce fichier euh, HCL, on va pouvoir l'écrire en, en termes de policy, donc une, une politique d'accès. Et euh, cette politique d'accès, on va pouvoir l'appliquer euh, sur différents objets. Alors celui qui est magique c'est celui-là je trouve. Donc là vous, vous voyez quand je fais write pour lui indiquer que je veux écrire sur un, sur un groupe LDAP, je passe par le pass de l'application de de de, de, de l'URL enfin, euh, de, de rest », quoi et je lui passe mon dernier euh, le nom de mon groupe en paramètres. Et là c'est magique tous ceux qui appartiennent au, au groupe cri, eh bien ils seront soumis à la politique d'accès cri et ça marche. Donc ça c'est bien. Pour le partage en équipe. Pour le partage au niveau des applications, alors ça, il y a beaucoup mieux à faire. Hein, il y a mille fois mieux à faire parce qu'il fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, euh, Volt. Mais la manière la plus simple dont, dont on peut s'en servir, c'est tout simplement, on associe un jeton à euh, une politique d'accès. Et donc, on peut euh, cloisonner un jeton aux seuls secrets qui sont valables pour l'application. Encore plus, fait, c'est très basique on a ensuite des secrets engine donc là c'est la manière de stocker euh, vos secrets. Donc, moi, celui pour lequel j'ai opté, c'est euh, le, le plus mignon, KV, qui Value. C est, c est, voilà, je ne vais pas vous le détailler, il hein, y a des clés, il y a des valeurs, voilà tout simplement. Euh, on note quand même que euh, vous avez un PKI Certificate ce qui, euh, qui signifie que Vault est capable de, de, de faire PKI. Donc, euh, PKI, c'est quoi C'est euh, la gestion euh, de, de clés euh, TLS. Et notamment, euh, vous allez euh, donner une autorité de certification à Vault et il va être capable de vous produire. Des certificats TLS à la chaîne. Donc, ça, ça change tout. Parce que du coup, euh, là où avant les certificats TLS, vous alliez demander chez Gandhi, euh, moi je vais les demander chez DigiCert, en plus j'ai une approbation avant de les avoir, etc. Il y a un temps infini pour, a, pour avoir un, un certificat. Et bien là, comme on peut les avoir automatiquement, euh, ça permet de réduire les, les time to live, Donc, on peut avoir des certificats qui sont euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus petits. On n'a on a plus de problème de, de révocation, d'attente, etc. Et donc, on se retrouve avec euh, Let's Encrypt à la maison. Quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe, simplement, une fois de plus, on n'est pas dépendant de Let's Encrypt, mais on est, pendant, on, est, on est souverain aussi sur, sa, sur son architecture de, de, de certificat TLS. SSH simplifie euh, largement la, les connexions SSH euh, et ben, euh, du client à la machine et de, entre machines, avec un principe de, de signature des, euh, des clés SSH et euh, par une autorité de certification connue de Volt. Et donc, à partir du moment où les clés sont signées par cette autorité de certification, les machines euh, se connectent. Ça vous permet de centraliser notamment la révocation. C'est assez bien fait. Transit, c'est euh, pour faire passer des messages euh, chiffrés qui ne passent pas par Volt. C'est-à-dire, Volt m'a disposition. <laughs> J'ai pas lu toute la doc. Hein. Vault met à disposition grosso modo un tunnel chiffré et vous, une fois que vous avez ce tunnel chiffré, vous faites passer des données dedans et Vault ne se préoccupe même pas de, du chiffré qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et TOTP, ben c'est du one time password. Euh, toujours nos amis du cloud, mais une fois de plus, ça ne m'intéresse pas tellement. La console, ça a l'air assez intéressant, c'est la manière de faire marcher correctement consul avec euh, Terraform. En termes de workflow, alors je ne vous ai pas mis l'API, mais euh, euh, je vous ai mis le cli et grosso modo euh, pff, bah on comprend très bien, hein, on, retrouve, euh, on retrouve les, les verbes HTTP euh, directement dans le cli. On, et donc euh, on peut euh, lister les secrets qu'il y a. On a des sorties qui sont euh, pas très exploitables par défaut, mais heureusement on a un format égal JSON qui permet d'avoir du, euh, du JSON derrière. Si vous connaissez jq euh, qui permet euh, d'aller euh, chercher dans les passes de, de, de JSON et eh bien on se retrouve avec la valeur qu'on souhaite, pas de problème, on peut la mettre dans une variable, on peut s'en servir dans du bash, etc. Pas de problème. Vous avez euh, put, vous avez patch, patch vous l'avez dans Kv2 c'est KV1 qui est activé par défaut, faut, ça c'est les petites subtilités de, 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 de Volt, il faut passer un petit peu de temps. Normalement à la fin vous êtes persuadé que c'est super et que c'est très simple, et logiquement quand vous allez vous faire quelques noeuds au cerveau, quand vous allez le mettre en place, même la partie la plus basique. Euh, il fonctionne assez bien avec Ansible, alors il y a un -E Volt dans, il euh, y a un lookup natif dans Ansible, euh, qui est euh, sympa mais il fait que de la lecture, euh, et puis il ne gère pas KV2. Donc euh, ça c'est un peu pénible. Par contre vous avez très, un très bon euh, module euh, communauté qui est Ashivolt, qui lui fait tout, euh, il supporte bien le Kv2, euh, y compris l'update du Kv2, et il gère aussi euh, toute la partie euh, service, c'est-à-dire qui vous permet d'ajouter des utilisateurs, d'ajouter des policiers, de gérer jusqu'à l'initialisation euh, le verrouillage et le déverrouillage du service. Donc ça pour le déploiement c'est euh, assez cool. Euh, en termes bon, comme tout est blanc et que tout est sur X, vous n'y voyez rien, mais vous avez un truc bootstrap avec euh, des passes et à l'intérieur, vous avez des clés. Et chaque clé, vous avez le truc là, vous ne voyez pas. Mais vous avez un petit œil, vous cliquez dessus, vous avez le secret en clair. Et puis, vous pouvez manipuler ça, vous avez une petite coche JSON et vous, vous avez l'interface qui change et vous pouvez voir votre résultat en JSON, le manipuler en JSON ou directement via lui. Voilà, euh, je crois que je vous ai tout dit. Euh, si vous avez des questions, voilà, ça c'est... C'est une vitrine de Clermont-Ferrand <laughs> où on vend des carnets de mots de passe. J'ai pas pu résister, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà. Oui, oui. Oui, quand même. Alors euh, sur la sécurité, il y, y, y a plein de choses. Euh, donc effectivement, on l'expose pas à l'extérieur. On met les certificats euh, HTTPS et puis on, est, on a une, un Skip Verify euh, TLS Skip Verify. On évite de le mettre à trou. Enfin, faut, faut bien se méfier entre le moment où on passe de la, de la version euh, Dev Sandbox au, au, au truc en prod. Et euh, à noter, HCorp a, a, a pris la peine de documenter euh, un, un renforcement de la sécurité euh, sur Vault. Donc euh, une fois qu'on a installé le serveur, euh, pouvoir, euh, l'idée c'est euh, couper le SSH. il y a plein de, de, de dispositifs pour vraiment euh, sécuriser le truc complètement quoi. Alors oui c'est open source, ouais, ouais, ouais le, co le code est sur GitHub. Euh, c'est plutôt c'est même Go là-dessus. Euh, J'ai découvert ça en, en compilant Terraform. Euh, Go c'est c'est quand même assez cool euh, pour la distribution quoi donc euh, c'est non seulement c'est open source mais c'est vraiment euh, on, on, on peut vra c'est vraiment facile de reconstruire le truc euh, simplement quoi Dernière question. <laughs> tu veux dire <laughs> alors on a on a un peu tout on a un peu tout les sensibilités sont différentes on les, y a, euh, comme profil plutôt comme ça, tu vois. Euh, <laughs> non, mais euh, effectivement, il y a des gens qui, sont, qui seront plus, euh, qui seront plus sur, la partie, euh, sur la partie UI et qui feront du copier-coller, et puis il y en a d'autres qui vont plus euh, se mettre sur la partie vol. En majorité, on utilisera plus le CLI. Par contre, euh, y a pas, du coup, euh, l'équipe dans laquelle je suis, il n'y a, a personne qui va utiliser l'API avec Curl ou avec PHP, à part euh, moi peut-être un jour. Ah oui, mais non. Euh, oui, oui, mais non, parce que, parce que, ouais, 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 non, non. Alors, un autre truc que je voulais vous dire. Donc, ça, non, parce que il n'y a que le Cric qui a des permissions et les autres, euh, je, 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 suis même pas sûr qu'ils se loguent. Oui, ils se loguent, mais ils ont rien en fait. Ils arrivent sur une page blanche et ils voient aucune liste de secrets. Ouais. Alors, donc ça, ça pourrait. Et euh, j'ai appris aujourd'hui, en discutant, parce que je l'ai vendu à l'université aussi, et du coup l'université se met à bosser dessus. C'est un peu le, le but, hein, c'est que vous, vous, vous y passiez du temps, et qu'après on en discute, et que moi j'en gagne. Hein <laughs> Donc à l'université ça a marché, y a... et euh, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a un système de templating euh, qui permet dans les HCL de récupérer des variables, genre le username. Donc on peut très bien avoir un pass euh, private de leur username qui, euh, qui fait effectivement euh, vault pour une personne. Donc ce genre de truc on peut, on, peut, on peut le gérer avec le groupe, etc. Donc là il a... Mais par contre, quand on commence à rentrer là-dedans, on se dit ah ouais c'est cool. Et puis après, ben, c'est tout un système d'ACL à, à reposer. Euh à reposer quoi. Et euh, là, on, quand on est dans des grosses structures comme, euh, alors les IMA un peu, mais l'UCA, euh, effectivement, il y en a un qui a demandé ça, il dit, ah ouais, j'ai vu le système de template et tout, il a fait, et puis après il a commencé à se prendre la tête parce qu'il euh, ne voulait pas qu'il voie les vols des autres, euh, ne serait-ce que dans l'affichage. Et là, ça a commencé à devenir beaucoup plus tricky au niveau des, HC, des, des HCL, enfin des policiers. Comment ça se passe si tu veux changer le pour de peu euh, Ça peut se refaire après. Tu peux, tu peux le. Par contre, faut que tu sois, délo, faut que tu sois déverrouillé, et tu dois pouvoir le faire qu'avec route. Mais je pense que tu peux relancer un un init. Les... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, parce que ça veut dire qu'il y, a... <laughs> y avait plus de temps pour les questions de toute façon. C'est fini. Oui. Juste si elle est gentille. Ouais. C'est juste login mot de Non, c'est 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 Ah non, non non. Alors, donc donc on a, donc, SEM, on a des cartes. Ouais, alors c'est ni c'est ni c'est pas login mot de passe hein. C'est les tokens qui sont gé... voilà, c'est les tokens. Par contre, euh, le, le deuxième facteur d'authentification, il est dans la version euh, pro de Vault. Euh... A priori, il y a un deuxième facteur d'authentification et je sais que la Yubikey est, euh, est gérée par exemple voilà c'est encore une partie décorrélée du, euh, du TOTP parce que c'est vrai que chicorp en attendant enfin moi régulièrement je me demande comment, comment ils gagnent leur sous euh, vu le, la, les, les fonctionnalités de leurs euh, leur produits euh, en version open source. Quoi. Ça au moins ça en fait partie. Voilà. Merci. Merci. c'est bon, ça marche. Ouais. Euh, donc, euh, merci à tout le monde d'être venu. C'était juste pour, euh, pour dire donc, euh, que la soirée ce soir a été sponsorisée par Datadog. Datadog, on fait un outil de monitoring et observabilité euh, en mode SaaS. Euh, le produit est cool, la boîte est cool aussi et on embauche des gens. Donc euh, si vous voulez venir, n'hésitez pas à me parler après, ça fait un an que j'y suis. Je pourrais répondre à pas mal de questions, sûrement pas toutes, mais euh, je pourrais parler euh, un petit peu de ce qu'on fait et euh, de comment on travaille. Voilà, et avant de passer au buffet, je vous propose de décaler un peu les... Là, je remets ma casquette euh, De décaler un peu les chaises sur les côtés et ensuite, euh, n'hésitez pas à taper dans le buffet, c'est fait pour. Merci.